Bonjour, bienvenue dans ce premier chapitre de Lightroom Mais encore. On va essayer d'aller un peu plus loin dans certaines fonctions de Lightroom. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qu'on appelle les piles. Les piles, il faut que vous voyez ça un peu comme un jeu de cartes où chaque carte est une photo. Vous allez pouvoir mélanger votre jeu de cartes, trier votre jeu de cartes. Vous allez pouvoir mettre une carte en haut du jeu de cartes. Vous allez pouvoir l'ouvrir, le fermer. Bref, vous allez pouvoir faire comme ça toute une série d'opérations. Je vais vous montrer comment ça marche et ensuite moi je vous montrerai à quoi ça me sert. Donc là par exemple j'ai des photos du même sujet. Ici j'en ai une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Je ne sais pas trop si je vais les garder ou pas, mais pour l'instant j'aimerais faire une pile de tout ça et ne garder que cette photo là en premier sur la pile. Donc je vais sélectionner mes photos. Je sélectionne la première, la deuxième, la troisième. Hop, pardon, hop, hop, voilà, j'ai sélectionné mes photos. Vous pouvez le faire en bas aussi sur le film si vous voulez, mais bon, moi je l'ai fait là en mode grille. Vous faites un clic droit et là vous avez un menu empilement. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est associer dans une pile. Vous pouvez réduire toutes les piles, développer toutes les piles, ça c'est pour votre catalogue complet. Et ensuite, il y a empilé automatiquement selon l'heure de capture, ce qui peut être pratique si on fait des grosses rafales et qu'on veut tout mettre dans une pile. Là, on va faire associer dans une pile, d'accord? Donc il a créé une pile ici, vous voyez qu'il me fait apparaître un 5. Là, pareil, il me fait apparaître un 5, il me dit, voilà, j'ai 5 photos dans la pile. Si je clique sur ce 5-là, ben, il m'ouvre la pile. Si je reclique, il me ferme la pile. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite là-dedans? Ce n'est pas cette photo-là que je voulais en premier, j'ai dit que je voulais la photo d'à côté. Donc là, je vais sélectionner cette photo, clic droit, je vais toujours dans empilement, et là, j'ai différentes choses. Je peux le déplacer complètement vers le haut de la pile, je peux le déplacer d'une position vers le haut, je peux le déplacer d'une position vers le bas. Donc là, par exemple, je vais le déplacer vers le bas pour vous montrer. Voilà, cette photo-là, ben, elle n'est plus la deuxième de la pile, elle est la troisième. Je vais la déplacer ce coup-ci un coup devant, déplacer vers le haut dans la pile, elle est redevenue la deuxième de la pile. Et si je fais empilement et je fais déplacer vers le haut de la pile, ce coup-ci c'est la première de la pile. Alors, si vous voulez mettre une photo en premier de la pile, hein, vous avez plus simple, vous cliquez sur une des photos et vous cliquez directement sur son numéro et elle va passer en premier de la pile. Mais bon, là c'est celle-là que je veux, donc je la mets en premier de la pile. Vous allez pouvoir ensuite désempiler, donc ça veut dire supprimer la pile. Vous allez pouvoir supprimer une photo de la pile, donc là par exemple, je vais prendre celle-là. Et celle-là, je ne veux plus qu'elle soit dans la pile, je fais supprimer de la pile. Voilà, elle n'est plus dans la pile. La pile n'a plus que 4 photos. D'accord? Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que bon, c'est bien joli, mais à quoi ça sert en vrai? Moi, personnellement, j'utilise ça principalement lorsque je fais des choses comme des panoramas, on va dire des choses où j'ai besoin de plusieurs photos pour arriver au résultat. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais un filtre. J'ai créé un filtre où je vais chercher où j'ai panorama dans ma photo. Et si on prend cette photo, par exemple, là, vous voyez que cette photo, elle est empilée avec 27 autres. Donc, je vais l'atteindre dans le dossier de la bibliothèque. Et donc j'ai cette photo-là, et si je dépile, j'ai 28 photos qui ont servi à faire le panorama. On va réduire un peu les vignettes, hein, pour se rendre compte. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien toutes ces photos-là qui ont servi à faire le panorama. Je reclique ici, ça me remplit le tout, et je ne vois que le panorama. Donc moi, personnellement, je m'en sers pour ça. On va voir dans le chapitre d'après que Lightroom, lui, s'en sert aussi d'une manière automatique lorsqu'on va créer des copies virtuelles, mais ça, on verra ça dans le deuxième chapitre de Lightroom, mais encore. Merci, au revoir.